toutes et à tous, c'est Josin XD. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto comment faire de la laine et du lait sur Farming Simulator 16. Alors, vous allez voir, c'est pas tellement compliqué. Et je précise, dans Farming Simulator 16, ce qui est le plus rentable, c'est la laine. Et c'est pas très compliqué, vous aurez juste à dépenser. Je dirais. Dans les 250 000 et quelques, je dirais, tout ça, on va le savoir. J'ai additionné combien ça va vous coûter, parce qu'il faudra que vous achetiez une faneuse. Bon, ça, vu que je connais pas tellement bien les noms, je monterai ça sur le shop. Hein, parce que pour le moment, j'ai déjà une partie qui est plutôt bonne. J'ai déjà le matériel pour pouvoir faire de la sylviculture. Si vous voulez, je ferai un tuto sur ça plus dans de prochaines vidéos. Ouais, ma partie c'est celle qui est en 14h15 là. Alors on va attendre qu'il fasse un peu plus jour. Hein. Et on se... Donc nous voilà. Il fait déjà un peu plus jour. Hein. Du coup, alors pour faire de la laine. Bon déjà vous voyez que j'ai déjà une remorque pas mal pleine. Je vais la remplir un peu. Voilà. Alors, je vais commencer par le lait. Alors, tout simplement, pour pouvoir faire du lait... Ah, je gagne du fric. D'accord. Ah oui, pour ça. Alors, tout simplement, là, ici, ce sera pour le lait. Et pour la laine, vous avez vu que, ça se positionnait au début. Normalement, pour ça qu'on 16, et vous, c'est marqué sur la carte. Où ça se positionne, normalement. Voilà. Non. Ah, mais... Alors tout simplement pour pouvoir faire du lait tout ça. Alors, pour pouvoir faire du lait et de la laine, il faudra que vous achetiez. Attendez. Ouais. Alors déjà, ça c'est pas la priorité, mais il faudra une presse à balles. Que j'ai déjà un exemplaire, quand je pense en acheter une deuxième. Qui coûte 80 là. Il coûte 85 000. Une presse à balles qui servira à ramasser les petits carrés de bottes de foin. Parce que je sais pas faire les ronds. Je ne savais pas comment on fait les bottes. Du coup, pour ceux qui sauraient, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Faut que je trouve l'autre truc. Ça doit être avant. Au moins, il me faudra la presse à balles. Voilà. Bon, bref, il faudra les deux qui sont dans les presses à balles. Attendez que je trouve. Voilà, du coup, j'ai trouvé. Alors, il faudra ça. Et personnellement, vu le prix, vu la taille, je vous conseille de plutôt acheter le deuxième qui est peut-être pas mal plus cher, mais beaucoup plus rentable. C'est le mieux. Il coûte 44 000. Du coup, n'hésitez pas à additionner sur votre téléphone pendant que vous êtes en train de regarder ou sur votre tablette ou comme vous voulez, de façon de comment vous le regardez. Enfin, de toute façon, je pense pas que j'en aurais tellement besoin parce que quand je vous aurai tout montré, je vous montrerai un résultat de ce que ça va vous coûter. Du coup, ça coûte 44 000. Il faudra aussi une faneuse. Ça, c'est le mieux. Oui. La faneuse, il n'y a rien que ça. Il n'y a pas mieux. Ça coûte 32 000. C'est une longueur de 6. Et pour ce que et je voulais te dire, celui-là, il fait du 9. Mais ce que je vous conseille... Moi, personnellement, la faneuse, j'utilisais avant, mais après, j'ai découvert un truc. Après, peut-être que je vais continuer à l'utiliser. Mais j'ai découvert un truc. Là, vous n'êtes pas obligatoire, c'est pas obligé. Mais pour que faire des bottes plus vite, j'ai acheté ça. Un endaineur, en fait. Bon, pour ceux qui se connaîtraient un minimum en agriculture, l'endaineur sert à faire des tas d'herbes. Par exemple, là, vous avez une grande étendue d'herbes qui est fauchée. En fait, ça va aller un peu ça. En fait, les hélices, on va appeler ça comme ça, les rapproche pour faire des petits tas comme ça, une fois que vous arrivez avec. J'arrive pas à me rappeler du nom. Bon, on va appeler ça une machine qui fait des bottes. De toute façon, il y aura un moment où je vais m'en rappeler. Et bien, du coup, tout simplement, ça va vous servir à faire des petites bottes. Et ces petites bottes-là, vous les récupérerez.
Avec cette presse à balles là, la FS63-72, coûte 62 000. Une fois, enfin, une, je dis là, je dis des bêtises parce que une fois que vous avez rapproché les tas d'herbes, avec votre tracteur, vous ramassez tout ça pour faire des bottes via cette presse à balles. Et puis, vous y allez avec cette machine pour les réparer, pour les ramasser. Et après, faudrait que vous les stockiez. Soit là, vous voyez comment j'en ai un. C'est comme j'aimerais bien vous montrer, mais j'ai fait ça récemment, du coup, je ne pourrais pas. Ah, j'ai déjà plus. Oh. Là, pousse-toi. Vous voyez, en fait, vous arriverez avec cette petite machine-là. Il faudrait que l'arrière soit pile dessus. Ça se lèvera et ça posera les bottes. Et je précise, c'est des bottes d'herbe qu'il faut. Les bottes d'herbe, c'est pour tout ce qui est ouais, les carrés d'herbe et tout ce qui est les laines. Du coup, vous aurez besoin de ce champ pour ceux qui ne sauraient pas comment ça s'utilise. Vous voyez, là, ça fait des petits. Là, j'ai oublié de ramasser correctement. Vous voyez, ça fera des petites traînées comme ça. Maintenant, je vais vous montrer. Allez, je m'équipe de la chose. Vous voyez que là, vous aurez un pourcentage. Vous appuyez sur rond. Et regardez bien le pourcentage juste là. Là, c'est pas le mieux. Là, c'est une graine normale. La botte, c'est juste genre celui-là. Vous allez voir comment ça va vite monter. Celles-là, ce sont des trucs qui se sont mis en botte. Du coup, là, regardez bien quand même le pourcentage. Vous voyez que ça monte beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Peut-être que si vous avez du bois, je pense que vous pourrez faire une botte. Non. Bon, moi, j'aurais pas pu faire une botte. Ah, si, là. Ah, c'est-à-dire que je vais pouvoir vous montrer. Alors, tout simplement, vous allez sur les trois petits traits là, dans statistiques. Là, vous pouvez voir. Pour le mouton entrepôt, là vous pouvez voir l'herbe, les bottes qu'il y a dedans. J'ai une herbe, donc 4% de ce que ça peut stocker. Ça, c'est l'herbe que les moutons ils ont. Et en tout, c'est la production de laine qui est en train de se faire. En fait, les 1%, en fait, c'est quand vous irez chercher la remorque. Regarde, elle va pas se remplir toute seule en fait. Elle se remplira toute seule du moment où elle est accrochée à vous et qu'elle est sur l'endroit spécifique. Là, vous voyez, c'est à 2%. L'herbe est en train de descendre parce que il n'y a plus de bottes. Du coup, là, l'herbe est en train de descendre, vous voyez. Et du coup, là, ça va faire du lait. Alors, on va aller chercher la truc pour aller ramasser la botte. Après, pour ceux qui sauraient, vous le dites dans les commentaires comment ça s'appelle parce que j'en avais plus du tout. Je vais mettre pour le lait, parce que pour les moutons, il reste une boîte en plus. Les vaches, elles ont que dalle. Et là, vous appuyez sur rond. Vous approchez. Et ça va se mettre automatiquement dans le truc. Vous appuyez sur rond pour retirer. Vous voyez qu'il y aura la boîte qui se sera mise là. Ouais, vas-y. Vous allez dessus. Attendez une minute. Ah, pardon. Je vous ai gâché tous vos espoirs. Je viens de me rappeler qu'en fait, ça peut se poser un coup par deux, deux, deux. Maintenant, vous avez deux bottes. Elles vont s'empiler. Par contre, si on avait une troisième, vu qu'il y en aura déjà deux, ça va quand même se soulever. La troisième aussi, elle va partir. Vu que là, elle est toute seule, ça ne marche pas. Pardon. Purée, j'étais parti sur un bon truc. Là, zut. Non, comme ça j'aurai une botte pour la prochaine fois. Et en fait, du coup, vous allez voir, ça va monter. On va revoir dans les statistiques. Bon, je vois que le lait, ça monte pas. Vous voyez, la laine, on a déjà 2% de laine. On va aller chercher. Alors, là, la remorque, elle doit être quasiment la moitié, non? Ah, non. Vous voyez, la laine, en fait, elle se marque. Ce marque par bloc. Nous, on n'est pas dans Minecraft. Merde, on va te faire une série de Minecraft avec mon copain. Avec un pote.
Hop, et vous voyez là ça vient de se remplir, du coup on a 51%, du coup là elle a la moitié. Je vais pas les livrer parce que j'attends une fois qu'elle a 75% ou à 100, j'irai la vendre. Si vous voulez je peux vite vous montrer le cours de la laine. Attends, vraiment, j'aimerais bien la remplacer, la remorque. Vous voyez, pour qu'elle soit en bus, il faut obligatoirement qu'elle soit, que je vous sois accroché dessus. Voilà. Alors le cours de la laine, vous avez un prix. Ouais, le cours des arbres, c'est de, ça va dans les 2000, ça dépasse pas. En moyenne, ça dépasse pas les 2500, mais c'est vachement rentable, je trouve, encore, ça va. La laine, vous voyez, c'est de c'est ce style de truc, tu vois. Vous voyez, c'est du 9000 et quelques. Ça a jamais dépensé, ça a jamais dépassé. Ah, c'est jamais descendu en dessous des 9000. Une fois, je tombe. Une fois, il était à 10 000 et quelques, hein, et j'ai reçu un petit message, comme quoi, si je lui livrais de la laine, il a monté ses prix de 1,5. Et du coup, on est à 15 000 et quelques. Du coup, quand j'ai vendu, ben, vous voyez, je me suis fait un max de thunes. Pour le lait, ça va. Le cours du lait, en moyenne, ça ne dépasse pas les 5 900. Et ça peut pas. Ça peut parfois monter dans les 6 000. Ça peut aller chercher dans les 7 000. Parfois, ça peut arriver. Et voilà, vous voyez, c'est vachement bien. Du coup, attendez une seconde. Heureux. J'ai eu une petite occupation. Du coup, voilà. Du coup, je vous explique vite fait comment ça marchait. Après, le cours de laine et du lait change tout le temps, mais je vous expliquais que ça devait pas dépasser certaines limites. Du coup, là, je vais vous afficher combien ça va vous coûter de faire du lait ou de la laine, ou les deux. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ciao.